Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I Bonsoir, content de vous retrouver. Alors c'est vrai, les vacances sont terminées, mais non, ce n'est pas terminé pour nous, les afterworks reprennent. Nous sommes ici donc le deuxième jeudi du mois de septembre. La rentrée des classes est terminée, mais c'est la rentrée des afterworks. Nous sommes ici à la Taverne des Arts pour passer une belle soirée afterwork, la reprise des afterworks. Voilà, c'est commencé depuis à peu près une bonne heure, hein, je pense. On est déjà près de 200 personnes. Ça se passe plutôt pas mal. On a un DJ qui nous a mis un petit peu de musique, la nourriture est plutôt agréable. Je vous demande juste quelques instants. On se retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Et bien voilà, nous sommes à l'intérieur même de l'afterwork de la Taverne des Arts et je me trouve en compagnie d'une charmante demoiselle qui se prénomme Florence. Florence, Florence, enchantée. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu dans un, voire plusieurs afterworks. Plusieurs, oui, plusieurs. Alors là, t'es venue ce soir avec des amis, des collègues? Des amis. Pas de collègues? Non, pas de collègues ce soir. Habituellement, je viens avec eux, mais là, pas ce soir. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Alors, qu'est-ce que tu penses du concept afterwork? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on peut se retrouver, manger un petit morceau, boire un petit verre, c'est très sympa. Découvrir des lieux nouveaux. Et alors là, la Taverne des Arts, tu connaissais? Je connaissais pas, non du tout, et c'est vraiment sympa, vraiment très bien. Ouais. T'aimes bien le cadre, t'as vu plusieurs niveaux? J'ai fait tous les niveaux, non c'est vraiment bien. T'as grignoté un petit peu? Si, oui, et c'est bon. Pense, change pas, t'es parfaite. Merci et bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Eh bien donc nous sommes en compagnie du DJ de la soirée. Alors il est parti de ses platines, allez quoi, 2 minutes. Et il est avec nous. Je vous présente Vincent Frambastille. Bonsoir Vincent. Bonsoir Fabio. Alors comment se passe ta soirée? Mais écoute, très bien, comme à chaque fois avec toi en fait. Alors donc là tu découvres un petit peu la Taverne des Arts, c'est pas forcément toujours évident de bosser dans un lieu un petit peu différent de là où tu avais l'habitude de mixer, mais je trouve que tu l'as bien fait ce soir. C'est une chance de faire des soirées dans ce genre d'endroit un petit peu différent justement de là où je travaille d'habitude, effectivement. C'est un peu décalé en fait par rapport à ton univers. C'est décalé, mais ça m'empêche pas de passer une bonne soirée. C'est vraiment bien. Je pense que la soirée se passe bien parce que tout le monde est de bonne humeur et que
chacun sait que ça se passe bien avec les afterwork en fait. Ouais, non mais c'est vrai que là je vois les gens avec la banane. La piste de danse est remplie. Oui. Je suis un petit peu surpris qu'on danse ici. D'ailleurs, les responsables qu'on verra tout à l'heure sont également assez surpris. Mais c'est ça un petit peu l'effet afterwork, c'est de pouvoir avoir un effet comme ça, voilà, euphorisant et dynamique quoi. Mais absolument, tout à fait, oui, c'est exactement ça. Tu lances un CD, un nouveau CD là, oui, c'est ça ? J'ai un nouveau CD en préparation. Et justement, c'est le site Ulule qui me permet de trouver un financement pour ce nouveau CD. Et chacun est invité à participer en fait. Alors on peut le retrouver où sur ton Facebook ? Sur mon Facebook, Vincent Bastille, tout simplement. Et il y a toutes les informations dessus en fait. Vincent, je te remercie. Je pense qu'on t'attend derrière la platine. Il faut que j'aille chercher le morceau là. Voilà, à très vite. À très vite, Fabio. À tout de suite. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 Voilà, donc on arrive au terme de la soirée, mais j'ai du mal à dire terme de la soirée parce qu'il y a encore plein de monde sur la piste. D'ailleurs, je ne savais pas que vous étiez reconverti en boîte de nuit. Eh ben moi non plus, moi non plus. J'ignorais, mais a priori, plein de gens m'ont dit que les lieux s'y prêtaient, donc... Je suis d'abord agréablement surpris que les gens aient passé une si bonne soirée et ravi que de les voir encore s'amuser à cette heure-là, avancer de la nuit, donc c'est très bien. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était un pari un peu osé dans un lieu institutionnel comme le vôtre, mais des fois il faut oser et on arrive à des résultats sympas. Bien sûr, restaurant traditionnel ne veut pas dire qu'on ne bouge jamais, etc. C'est s'adapter aux attentes des clients, être toujours proche d'eux. Et voilà, il y a d'autres manifestations, ça ne nous empêchera pas de faire des soirées comme les gens attendent, etc. Et puis ponctuellement, voilà, de se débrider un petit peu et faire que cette vieille dame, elle s'éclate entre guillemets aussi. Alors ce soir, c'est vrai, c'était totalement débridé, à la fin, parce que ça s'est resté quand même raisonnable, parce que les after-hours, c'est quand même raisonnable, mais vous avez une clientèle que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir ici, donc pour vous, une future clientèle potentielle. Oui, c'est faire découvrir les lieux à des gens qui n'étaient peut-être pas habitués à venir chez nous, donc c'est très bien, leur montrer le décor, voir un peu l'ambiance, et au travers d'une très belle soirée, leur donner l'envie de revenir, voilà tout simplement. Moi je pense qu'il y aura des gens que vous allez revoir prochainement. En tout cas, je tenais à vous féliciter pour le cadre, pour ce que vous avez fait ici, la soirée, et je pense qu'on sera amené à se revoir. Merci, j'espère avec grand plaisir. En tout cas, nous on est prêts à vous accueillir dès demain. Donc merci encore à vous, Fabio. Merci.